Salut mon séant! Voici Captain Flores, plus connu sous le nom de champion, même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Safety. Aujourd'hui, nous allons faire deux mises à jour en même temps. Parce que j'ai manqué un mois, on s'entend, puis il y avait du bon stock. Une nouveauté le mois passé. Puis, en ce moment, nous sommes dans la mise à jour des mains. Non, ceci est nouveau. On va faire un petit tour dans le... Ici par le... On va voir s'il y a des choses changées. J'ai pas été fait une petite bête. Parce que quelqu'un je suis moins sur safety. Parce que j'ai moins de temps justement. J'ai coupé même des vidéos. J'ai même coupé une vidéo à Upcard et il va reprendre quand j'aurai le temps. Upcard pour l'instant n'est pas installé sur cet ordinateur là, mais je vais l'installer. J'ai pas trop eu le temps, le travail, puis toutes les quêtes. Puis il n'y a pas juste le travail ou autre chose là. Là, je pense que je peux avoir les trois. Ça, c'est. Moi, je trouve ça très difficile. Mais ça ne tente pas d'en prendre. Du moins, pour l'instant, on va faire une vidéo où que je fais les quêtes de légende seul. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, ça, j'ai tout. Un sur pas. Parfait. Il n'y a pas grand chose autre que les citrouilles et les courges. Il n'y a pas grand chose. Oh, une mise à jour qu'il y a. On peut pogner des cartes. Des bouteilles à la mer. Dans les tonneaux. Ouais, ça c'est spécial. Vous voyez? Et voilà. Dans le roar. Ça me tombe pas d'aller du tout là. Trop dangereux. Faites bien de revenir dans l'ancienne région. Ça fait du bien. Désolé pour la qualité audio. Si c'est mauvaise qualité ou moyenne qualité, désolé. En ce moment, j'ai pour objectif d'allumer des choses, des lanternes. Non, c'est pas des lanternes. C'est comment ça s'appelle déjà? On va s'amuser à allumer du feu. Je vois avec le feu. Parce qu'elle a une nouvelle mise à jour. Consiste à votre lanterne, une flamme. Fanal, cherche le nom, le fanal. Faut allumer tous les fanals. J'ai mis des choses à Calliance. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la difficulté. Là, aujourd'hui, nous allons faire un peu de ceci. En plus de fanal. Voilà, ça c'est la mise à jour qu'il y a depuis le mois d'octobre. Après le roar, il y a ça. En passant, je roule à 60 fps. Mais ça, c'est le processeur qui fait ceci. Là, c'est pas ma faute, c'est vraiment le processeur qui fait en sorte que ça roule à 60 fps. Sachez que ceci, on peut en contenir sur notre navire un nombre incroyable. Tu peux rouler ça comme ça se peut pas, mais en plus de faire une autre carte après le foutail, faut aller ici. Ok, à plunder 8 caisses faut su. C'est qui ce su?
Faut que j'aille voir Su, dont je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est elle. En tête sur stock. Voilà. Ça c'est fait. C'est si simple que cela. J'ai pété ça, moi. Je sais pas. L'animation fait le bruit de quand ils ont repris la bouteille, mais oh, elle leur intact. Je ne comprends pas, ça fait deux. C'est quoi ça? Marqué qu'il fut serré ou que ce soit, et je vous dirai que je ne sais pas c'est pourquoi ça fait ça. Là. Je ne sais absolument pas ça et que tout pose aucun problème avec ça. C'est du tissu. Les plantes, on voit juste absolument rien. Ouais, ça c'est l'ont mis en deux mises à jour finalement. Ça, il y a qu'une semaine d'un ou deux d'intervalle. Puis juste pour vous dire, je suis dans les, au plus haut graphisme. Ah oui, c'est mon ma figure de proue qui illumine autant. Ceci se dessèche rapidement. Faut s'occuper énormément de ces plantes là. Nous autres, on les, moi, je, on les met tout à part, absolument. Un seau d'eau primordial parce que il faut les arroser, c'est primordial. Par contre, il faut juste regarder ici pour savoir livrer à Gross Sunkend and Ash. Livrer à Gross Sunkend à ok, il faut aller à Fripping Bay qui est un peu loin, à mon avis. C'est un peu loin, mais dans le fond, ça je m'en fous la livraison, honnêtement, là, c'est juste pour vous montrer que l'on peut faire ceci. Non, après ça, c'est une bouteille, d'accord. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça, c'est volontaire. C'est vraiment pas pourquoi ça fait ça, honnêtement. C'était pas comme ça, va. Mais loin de là. Il se brise à rien, on fait juste le transporter puis il brise. Pas fait solide, ça. Quand même. Il pouvait le faire un peu plus solide, là. Non, on va s'amuser à visiter des îles. J'avais, on aurait dit que c'est ce que je cherchais, mais pas pantoute. Je savais pas qu'il y avait un rush là-bas. Autant depuis quelques temps, je suis plus dans le nord. Je suis plus dans le nord, de toute façon, on est dans, je suis dans le nord, de toute façon. Ok, le Québec est dans le nord. La première neige est tombée, les deux premières neiges, c'est fun. Ah, que je suis content. Ça va faire du, ça fait du sport par contre pour rentrer les paniers dans le, dans l'épicerie. Ouais, que du plaisir. Il n'y a pas l'air d'avoir de fanal ici. On va aller à Plunder Valley ou encore à Discovery Ridge. Peut-être à Discovery Ridge, il y en aurait peut-être. Sinon, on va aller. Non, 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 non. Laissez faire ceci. L'élection, vous allez en avoir. Tout moins, moi je vais paniquer. On va aller dans le la nouvelle région.
Parce qu'il faut allumer les fanales aussi là-bas. Oups. Il manquait une marche. Non. On peut prendre des sorts, cette. Mais on dirait que. Je sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. Crooks, alors il y a un fanal, je trouve vous dire. Si vous ne savez pas, il y en a un fanal à Crooks, alors il y a un fanal à. C'est des grosses îles, mais pas tous les grosses îles. Je peux vous le dire. Ici à Thief Haven, il y en a pas! Discovery Ridge, je ne sais pas, puis Plunder Valley non plus. J'ai passé, j'ai aucune lueur ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai pas été sur les îles, mais. Je vais peut-être y aller. Je pense qu'il y en a une. Kenkov, il y en a-tu une? Oui, il y en a une à Kenkov qui. Prenez votre canon. Dans le fond. Il y en a une. Où ça? A Mermaid. Il y en a une. Smuggler Bay, il y en a une. Il n'y en a pas. Moi, j'en ai pas vu. Discovery Ridge. Discovery Ridge. C'est fort de ce que je viens de dire. Diddy Ridge, je faisais. J'en ai pas vu. Il y en a 12, si je me trompe pas. Bah, c'est oui, il y en a 12. Trouver et allumer toutes les fanaux des îles sera de sauter avec les flammes du sort. Ouais. Puis, c'est pas évident. Je vous le dis. Bon, nous sommes du moins rendus dans la région du World. Et là on a vu qui. Je vais vous le dire. Ah, ça fait du bien ça. Un peu d'éclairage, de luminosité supplémentaire sur mon écran. Ça fait du bien. Même pendant que. Pendant mon voyage et. On m'a demandé de baisser mon nombre de trophées à 800. Je sais pas pourquoi. Sais pourquoi qu'il me demandait le matin 800. C'est tout simplement pour si je veux avoir du monde dans le clan. Il n'y a pas un choix. Mais par contre, il y a une raison à laquelle que je le mettais à 1800 trophées. Tout simplement pour faire un bon clan. Mais. J'aurais demandé, parce que moi je suis dans des serveurs Discord, donc je vois Clash of Clans, j'aurais demandé le monde qui sont intéressés à venir dans mon clan. C'est juste que vu que j'ai plus de points de temps, je demande pas. Mais que je vais demander éventuellement. Là ici, je ne sais absolument point où sont les fanales. C'est-à-dire que je me demande même où ça pourrait bien être. Je prends de la distance de ce volcan-là. Quand même. Bon, de toute façon, je m'en fous complètement du stock. C'était juste pour vous le montrer dans le fond. Puis ici,
D'un autre côté, ça vaut pas grand-chose pour vous dire. Ça vaut pas plus de 250 $. Tandis que dans le bois, ça vaut ça pas jusqu'à 700 $ facile. Mais la difficulté est là, par contre. C'est pas évident. Je peux vous le garantir, c'est pas évident. L'avoir fait, là. T'as hâte de. Là, ce que j'ai fait, que je fasse les fasse ça pour des quêtes. Donc, vous pouvez voir. Je les ai toutes, ceux-là. Ils sont encore rentables. Oh oui! Une flamme verte en plus. La question est. Je le prends, je vais le mettre sur allumer les lanternes. Oh, même un bot. Une chaloupe, c'est bien ça. Là, l'eau est chaude encore. Il faut que je me dépêche quand même là. Quand même mon navire qui est proche du rivage. Où est le fanal? Ah! C'est sérieux. En là et fuck. Mon navire! Ah, vous avez le côté. Oh putain, plus de navire au pire. Juste prendre ceci. Oh, je vais prendre, mais j'ai mis. Parfait. Je vais juste le prendre, hein. On va l'aider. On équipage. Ça pour une navire, tiens. On va exploser avec. Voilà. Fini? Dommage. C'est dommage. Mais au moins, qu'est-ce qui est bien? J'ai eu celle-là. Au moins. Mais ça, c'est bien, ça. Honnêtement, là, c'est bien, même si on n'a pas vraiment de feu. Parce que le jaune, ça, c'est le feu de Ben Ordinaire, mais ça compte. Ça compte quand même. Je trouve ça le fun, ça. Que ça compte quand même. Oh, il y avait de ce côté. Oh, moi je suis ouf. On va à Ruby Falls au nord. Moi je suis content, j'en ai allumé un autre.
Au moins. Mais une question que je me demande, si c'est faut pas prendre un sort, un fanal, prendre la seule lumière du fanal, puis mourir avec pour pouvoir avoir d'autres couleurs de fanal rendues dans l'au-delà. Je sais pas si c'est comme ça fonctionne. C'est une question que je me pose. Parce que je ne connais plus. J'ai de la misère à comprendre comment qu'on prend les sorts. Y en a-tu un ici? Ça serait fun ça. Je me sens voir un calme. C'est moi qui hallucine. Bon, je vais le voir quand même. Hein, pour aller plus vite de même. Qui tombe en éruption en plus. C'est fatigant! Il tombe constamment en éruption, c'est là, ces volcans. Une bouteille à la mer. Une chaloupe. Oh, il tombe pas en éruption. Je vous dis, c'est fatigant. Tombe constamment en éruption. Ah, quoi? Oui, un fanal. Même pas allumé. On va regarder ce que ça a donné. Mon micro décide de tomber. Et oui, la moitié de effet. Puis j'ai même un coffre avec moi. Ça, des fois, le tremblement de terre va juste dire que faut y avoir des jeteurs. Mais des fois, ça va pas dire ça. Avec qui tombe en éruption volcanique. Puis ça, c'est fatiguant. Toujours pratique une chaloupe. J'ai perdu le monde en toutes les affaires, mais c'est pas grave, ça vaut plus cher. Bon, pour bébé plus cher. Là. Mais j'avoue l'équivalent d'un coffre de maraudeur. C'est qui lui. Donc ces coffres-là, ça vaut plus cher que ça que son équivalence dans le un normal. Ça vaut l'autre au-dessus. Bon, allons à l'avant-poste, puis nous allons déjà se laisser. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va faire une affaire. Nous sommes dans un équipage, puis on va abandonner l'équipage. Oh mon dieu, oui! Mégalodon! Je sais. Abandonnons le navire, Mégalodon en vue. J'ai fait la bonne affaire. Waouh, le savoir. Je me tentais de toute façon. Puis je vais peut-être faire un court-métrage bientôt ici. Ouais, bon, ça va être ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça me tente d'essayer d'apprendre une nouvelle affaire. L'avant-poste, Moror Peak.
Et je suis arrivé à destination. Continuons le chemin bien tranquillement. Et qu'est-ce que vous 313. Très bien. En plein pot. Ici par contre fait chaud. C'est dans le nord. Fait fret. Dans le sud. Fait chaud. Puis ici il fait encore plus chaud. On crève ici. On crève tellement que. Capable de marcher. Ah pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors jeu que d'Halloween, je les aime tellement pas. Pour être honnête avec vous, la lune, elle est rouge. On dirait qu'on Mars est à côté. On dirait. On va danser. Ah pour ça! Et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de Lys. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Sea of Thieves. Puis la prochaine vidéo, là, aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vidéo. Une bonne vidéo. Bah, de toute façon, c'est pour faire pour faire ça, là, dans le fond. Mais là, la prochaine aventure, ce sera de la légende. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.